comme tout le monde dit, il n'y a pas d'autisme quand on est sur scène. C'est-à-dire qu'au fait, on ne voit pas qui est l'autiste. Et au fait, il y a le groupe, ça joue, ça chante, les paroles. Ceux qui connaissent pas, ils disent, mais waouh, ils font ça, et ben là, respect. Moi, on me l'a dit. Le premier album, il s'appelle « C'est lesquels les autistes ?». C'est la question qu'on nous posait systématiquement quand je descendais de scène. Donc, quand on vous pose cette question-là, c'est que le pari, il est réussi. Partons bien avant que le soleil soit tombé. Julien Thoré est accompagné par les chanteurs. On va faire sur le fil et on a fait le slam de Raphaël. Le feeling qu'on a eu en tout cas avec Julien Thoré est un feeling très particulier qui nous a tous énormément touchés de par sa simplicité, son naturel, son authenticité. Donc ça a été une rencontre magique. Socialement, ils ont gagné énormément de choses. On parle souvent d'autisme avec un rapport à l'autre compliqué, avec un regard qui a du mal à se fixer sur la personne, etc. Quand on joue avec eux, on est en lien, et ils sont en lien avec nous. Ils ont tellement envie d'être sur scène qu'ils sont capables de faire des efforts sur leur comportement. Ce que j'aime bien, c'est au fait me lâcher. Vous voyez, j'aime bien me lâcher. Comme j'étais timide avant, bah maintenant j'ai appris même en tant que batteur à m'amuser parce que je joue d'une façon où maintenant j'arrive à débloquer certains... Je bloquais beaucoup avant. C'est pas toujours simple pour eux, hein, pour une heure et demie de plaisir sur scène. Il y a énormément de travail derrière et de rythme discontinu. Et pour un autiste, c'est pas toujours facile. On a un résident, par exemple, s'il mange pas à telle heure précise, il est en difficulté. Toujours amusez-vous, percutam, c'est de la bombe.